Le cirque de Mafate. Au cœur de ces montagnes se trouvent les habitations les plus isolées de la Réunion. Accessibles uniquement à pied ou par hélicoptère, quelques 320 familles se sont installées sur ces îlettes escarpées. La plupart des habitations sont équipées de panneaux photovoltaïques vieux de plus de 20 ans. En fin de vie et sans suivi d'exploitation, la vétusté de ces installations favorise le développement de la précarité énergétique. En 2017, le département de la Réunion accompagne, dans sa politique d'aménagement des eaux et pour l'égalité des territoires, un grand programme d'électrification sur Mafate. Des installations de production d'énergie autonome, 100% solaire, sont déployées sur les îlettes. L'objectif du programme d'électrification, c'est d'évacuer les anciens générateurs, les vieux panneaux, les vieilles batteries, les mettre en filière de recyclage et de réaliser des nouveaux ouvrages avec les dernières technologies photovoltaïques, dernières technologies de stockage et de dimensionner en fait la taille des installations, le nombre de panneaux aux besoins réels aujourd'hui des familles, voire même de demander aux familles de se projeter un petit peu dans l'avenir pour avoir plus de confort. Ici à Roche-Plate, 23 familles seront équipées de nouveaux panneaux photovoltaïques. Des études de dimensionnement des équipements et des besoins électriques sont menées auprès des Mafatés. Actuellement, il a un réfrigérateur mais qui ne peut pas brancher parce que l'installation n'est pas suffisante. Du coup, après, il a une télévision, un congélateur. Et là, ce qu'il pourra, lui, par la suite, en fonction de ses besoins, il pourra mettre deux congélateurs, un réfrigérateur, une machine à laver aussi. Et aussi sur l'éclairage. Pour nous, c'est très intéressant. Hein. Mmh. Ouais. Comme qui dit, on manque un peu d'électricité vraiment. Deux modèles d'installations photovoltaïques sont retenus : des centrales individuelles pour les habitations les plus isolées et des micro-réseaux comme celui-ci pour desservir un ensemble d'habitations proches afin de mutualiser les installations. Il nous a semblé plus pertinent de réaliser une seule grosse centrale mutualisée pour l'ensemble du village avec un micro-réseau de distribution d'électricité enfoui sous les sentiers pour aller alimenter via un point de livraison chaque famille. Pour garantir une complète autonomie énergétique des îlettes, le remplacement des équipements électriques domestiques énergivores par des appareils plus performants est indispensable. Le coût total de remplacement de ces réfrigérateurs, congélateurs ou lave-linge est estimé à près de 300 000 euros, avec une subvention de plus de 100 000 euros pourvue par le département. 20 millions d'euros seront investis pour que Mafate dispose d'une énergie propre et durable. Gérés par le service public de l'électricité, ces réseaux photovoltaïques sont des innovations techniques et sociales en sites isolés dans les territoires d'outre-mer. Dans le cadre de l'opération Bois de quartier qui consiste à replanter des espèces endémiques de la Réunion, les jeunes en service civique de l'Académie des Dallons sont allés à la rencontre des habitants de Bois-de-Neuf-Saint-Paul afin de savoir ce qu'ils aimeraient voir planter dans leur quartier. On vient voir les gens pour poser des questions, pour savoir ce qu'eux-mêmes on veut, eux-mêmes. On veut bien ici à Bois-de-Neuf des pieds de bois endémiques. Et des pépois, leurs souvenirs avant, peut être fruitier, tisanerie, bois. Pour Adèle Audon, conseillère départementale, il s'agit là d'une action à double vocation. On est sur une action qui amène les jeunes vers la rencontre de la population et s'insérer socialement et puis s'investir dans une mission qui demain matin peut les amener à comprendre que pour le travail, il faut pouvoir aller vers les gens et s'investir, être dans l'action. On a un autre axe qui est cet engagement que le département a pris sur le plan 1 million d'arbres où le choix des arbres ne se fait pas sans la concertation de la population. Donc vous aurez bien compris qu'aujourd'hui, les jeunes de l'Académie des Dallons vont à la rencontre des habitants de Bois-de-Neuf pour comprendre et essayer d'étudier quelles étaient les espèces qui existaient et que les gens aimeraient revoir, soit chez eux, soit au niveau de la ville, soit au niveau du quartier.
Une initiative très appréciée par la population. C'est important parce qu'on fait vivre le quartier avec les gens du quartier. Moi, j'aimerais bien, par exemple, fleurir les ronds-points. Fleurir devant les mairies, les églises, pour que ça fasse joli. Et les arbres aussi, parce qu'on a besoin d'arbres pour l'ombre, pour les oiseaux et tout ça. Mais c'est vrai que les fleurs, quand on arrive dans un quartier où c'est fleuri, on fait « waouh ». C'est ça, c'est la beauté des yeux avant tout. L'opération Bois de quartier, qui s'inscrit dans le plan 1 million d'arbres du département, se poursuivra ce samedi 24 juillet sur la place de l'église et le mercredi 28 à la bibliothèque. L'action fera l'objet d'une restitution partagée avec les habitants. Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour. Cette jeune équipe d'acteurs s'avance vers la scène et s'apprête à présenter pour la première fois son spectacle face à un public. Une troupe de comédiens qui a travaillé cette représentation dans le cadre d'un atelier chantier d'insertion. L'insertion par le théâtre, c'est l'expression de soi et la confiance retrouvée. C'est cette capacité à s'extérioriser, à retrouver confiance en soi, c'est très important, à travailler en équipe. À retrouver vraiment confiance en soi, c'est
C'est primordial. Des scènes de la vie quotidienne sont jouées avec, comme fil conducteur, les violences conjugales au quotidien et les différentes formes d'addiction. C'est une thématique qui s'est imposée. Tout vient d'eux, hein. Donc ils avaient envie de, nous avions envie de questionner cette difficulté qu'on a à être en relation avec les autres et toutes les formes de violence que ça peut prendre. C'est la relation, par exemple, là, au sein du couple, dans le travail, face à soi-même, face à la rupture sentimentale. C'est des relations, quelquefois, c'est des choses violentes. Et puis des phénomènes d'addiction. Moi, j'arrête de fumer, c'est une scène sur l'addiction à la cigarette. Et c'est pour montrer les difficultés à arrêter, vraiment le bon et le mauvais côté en fait de l'esprit qui nous dit mais oui, il faut arrêter et puis l'autre qui nous incite à continuer parce que c'est bon, parce que c'est cool, parce que c'est chouette, c'est toutes les difficultés de l'addiction. Je suis dans un sketch où justement j'interviens en tant que personnage un peu soulard qui sort devant la boutique avec ses potes et quand il arrive chez lui, il engueule un peu sa femme. C'est pour montrer un peu aussi le côté macho de l'homme, qu'il faut avoir des parts égales de la chose. Pendant une année, ces volontaires inscrits dans une démarche d'insertion vont travailler leur jeu d'acteur au théâtre tout en réalisant leur projet d'insertion professionnelle. Deux volets de ce chantier d'exception qui porte ce public. Ça nous aide à prendre confiance en nous aussi. Moi, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, chose qu'avant j'avais pas, à vaincre ma timidité. Ça nous permet d'être nous-mêmes, d'aller au-delà de notre capacité, de prendre confiance en nous et de pouvoir nous dire que nous aussi on est capable. C'est vraiment un grand truc parce que, comme ma collègue a dit, on n'avait pas vraiment confiance en nous. On avait des vécus un peu tous similaires. Et du coup, ça a permis de nous regrouper et de vraiment donner quelque chose de valorisant. Cette troupe se produira tous les jeudis soirs au village Corail de Saint-Paul, partenaire de cette action. Les représentations seront forcément dépendantes des contraintes sanitaires. Mais que fait le loup ? Une histoire de Joël Écormier, illustrée par Michel Boucher, aux éditions Océan Jeunesse. Il calcule le chemin le plus court pour aller chez Mère Grand. Il hurle à la lune comme un hurluberlu. Il adore se déguiser. Il n'aime pas ses oreilles. Il essaye de les cacher. Il écoute en boucle le message de son répondeur. Je suis absent, mais laissez-moi votre adresse et je vous mangerai dès mon retour. Il fait un peu de couture. Il en a assez qu'on lui découpe le ventre tous les 4 matins. Il compte les moutons. Miam, 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 miam. Il commence une thérapie pour lutter contre ses faims de loup. Il marche à pas de loup. Du coup, il est toujours en retard. Il répète une scène importante. Tire la chevillette. Tire la bobinette, la chevrette. Tire la bobinette, la chevillette sera. Tire la bobinette, la chevillette chera. Puis d'abord, ça veut dire quoi tout ce charabia ? Juste une fois. Il aimerait bien avoir le rôle du petit gentil loup de l'histoire. Il ne supporte plus les questions indiscrètes. Loup, y es-tu ? Que fais-tu ? M'entends-tu ? Il préfère les questions existentielles. Qui a peur du grand méchant loup ?
Il s'imagine en jeune loup aux dents longues, aussi connu que le loup blanc. Il se fait engager par « Mange ta soupe, sinon gare au loup.com ». Il faut bien gagner sa vie. Il joue à cache-cache. Sauras-tu le trouver ? Il se perd. Il rêve de dormir tranquille, près d'un bon feu de cheminée, comme un bon gros toutou. Il prendrait bien sa retraite sur un bateau pour finir sa carrière en vieux loup de mer. Il lit une histoire de grands méchants chasseurs à ses petits loups. Et après, il arrive. Cette herbe sauvage pousse facilement dans les jardins à La Réunion, à tel point que beaucoup la considèrent comme une mauvaise herbe. On la connaît sous le nom de zerbe Saint-Paul, col-col ou guérivite, plusieurs noms pour une même plante pleine de vertus. C'est un type de plante qu'ils trouvent normalement partout à La Réunion, dans les hauts comme dans les bas. Ils poussent facilement. Lit et zerbe à bouc, c'est à peu près comme frère et sœur, mais dirait. On trouve ça dans les champs de canne, on trouve ça en bord du vieux chemin. Mais je dirais plutôt certains endroits où trouver ça, parce que les orties, bien difficile, pareil. Même problème, hein. Problème de désherbant partout, dans des endroits, ils trouvent plus ça. Pour que ça, il est bon. Un bon peu de affaires, un bon peu de monde, il connaît à l'utilise à pour la bourbouille, petit marmaille tendre ou petit grand marmaille, jusqu'à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, on a la bourbouille. Donc ça, en décoction, il fait bouillir ça et il fait le bain avec. Il est bon pour problème de peu. Utilisez un bon peu de tisane de peau, problème de peau, le col-col est utilisé. Le col-col est utilisé aussi pour tout ce qui est tisane rafraîchissante. De monde, il connaît quand il a trop mangé, la bonne épice. Il prend un pied de col-col, le racine, il fait bouillir et il boit ça pendant 3 jours. Ou dans le monde, il boit ça, c'est une journée. 3 grands verres ou 1 demi-litre ou 1 litre dans la journée, ça dépend des personnes. La corpulence et tout ce qui s'ensuit. Donc, col-col est rafraîchissante. Donc, rafraîchissante et anti-inflammatoire. Ça veut dire, il enlève les toxines dans le corps et il est très bonne tisane pour, surtout au niveau des intestins. Associé avec zerbe à bouc, tous les deux, il a de pair. Le col-col en bain est bon pour tout ce qui est problème de peau, eczéma, psoriasis et tout ce qui est problème de boutons, acné aussi. Il peut boire la tisane et en même temps se laver avec. Bon, troisième préparation, décoction. Là, nous va prendre l'eau froide qu'elle est là, nous verse dans la bouilloire. Et dans cette bouilloire, en même temps, nous allons mettre des plantes, une décoction de zambaville, par exemple, des zambaville et fume-terre. Hein, zambaville et poc-poc, là, pour se laver. Là, nous fait un petit peu de plantes comme ça, pour à peu près 1 litre et demi. Un bon litre et demi. Là, c'est dit bien, décoction pour le bain. 1 litre et demi. Nous peut rajouter un peu de poc-poc dedans. Regarde bien le poc-poc, c'est poc-poc, c'est... Poc-poc. Hein? Marmaille qui ne connaît pas poc-poc. Alors là, pourquoi c'est appelé poc-poc? Il trouve ça dans le carocande, mais pas dans n'importe quel carocande, parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc veillez bien à ne pas ramasser n'importe où le poc-poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau.
Là, on nous fait une petite préparation, on peut rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on nous fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau. Nous la verse de l'eau dedans. L'eau est froide. Nous mettons les plantes dedans. Nous recouvre la casserole, le bouloir. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole. On fait ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration. Le chauffe, nous laisse de l'eau bouillir. La décoction dans 5, 7 minutes, 10 minutes. Mais bon. Colcol, il rentre aussi dans la préparation de petite tisane pour bébé, la tisane tambave. Donc c'est toujours la racine coupée comme le zerbabouk que nous va prendre, coupée finement et avec d'autres plantes pour le tisane tambave. Sinon, toute la tige et les feuilles et tout, c'est pour les bains. Bonne petite tisane, on prend une bonne poignée, on met ça dans 5-10 litres d'eau en fonction de ce que va faire pour se laver en cas de problème de peau, problème de boubouille, etc. Le colcol en interne, c'est-à-dire quand on a des inflammations, irritation d'estomac, irritation d'intestin, associé avec le zerbabouk, très bonne tisane pour rafraîchir en dedans, pour nettoyer aussi, évacuer les toxines. Donc le colcol, c'est toute la plante que les a utilisée en fonction des problèmes à traiter. Donc, très bonne tisane rafraîchissante. Nous sentons vraiment le côté positif de la tisane quand on la boit ça sur une journée, 3 verres dans la journée, 3-4 verres dans la journée. Il nettoie, il rafraîchit, on sent au mieux.